Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez pas vu vraiment mon signe, il faut que je le fasse ici, voilà. J'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. Là je tourne, on est actuellement le 24 décembre, donc vous verrez ça après Noël. Donc j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez eu beaucoup de cadeaux, beaucoup de paires sous le sapin, etc. Yes, c'est chiant. Nouvelle vidéo, vous aurez vu dans le titre et sur la miniature. Je sais pas si le cadrage est bien parce que c'est en mode vlog et c'est un peu particulier. Bref, j'espère que vous allez bien, ça fait 6000 fois que je le dis. On va faire une paire en hydro-dipping, c'est la deuxième fois qu'on fait ça sur la chaîne, et qu'on fait ça tout court d'ailleurs. La première fois, vous aviez vu un petit peu le côté expérimentation, etc. Parce qu'en vrai, c'était la première fois qu'on le faisait, on avait bien foiré une des deux paires, etc. Et le rendu sur la Air Force One, je te remets une photo ici, allez la liker, allez sur Insta et tout, mettez des likes à fond, vraiment, ça fait plaisir, on vit pour les likes. Voilà. Vous aviez énormément kiffé la Air Force One, il y a même des gens qui nous ont découvert grâce à ça. On a eu des retours de ouf, vraiment, c'était un truc de malade, et on a eu énormément de demandes en message au niveau du matériel, de la technique, etc. Alors qu'on l'expliquait dans la vidéo, hein. J'ai eu l'envie d'un coup, je me suis dit hop, tac, j'ai commandé le film et tout. Et voilà, le film hydrographique, hein, pas le film qu'on met à la télé. Yes. J'avais une Air Max One toute blanche, toute en cuir, c'est cette paire là. Donc là en fait elle est recouverte de scotch noir isolant, c'est normal, mais de base elle est toute en cuir, tout blanc. Donc voilà, c'est un peu le terrain de jeu parfait pour faire de l'hydro-dipping, dis-moi. Cette paire, je l'avais énormément portée et tout, et là ça faisait vraiment quelques mois que je la portais plus du tout. Je me suis dit, bah je vais la recycler en fait, un petit peu en vrai, en quelque sorte, faire un custom sur une paire que tu portes plus, c'est comme un recyclage, tu vois. En fait, je suis tombé sur un visuel d'un film hydro-dipping. Je suis tombé dessus, je dis ok, ça sur une paire ça peut être charmé. Pas sur toute la paire en entier, comme t'as vu, j'ai scotché, hop, tu vois, j'ai scotché beaucoup de parties de la paire, hein. Tout ce qui est noir, c'est tout ce qui va pas être recouvert d'hydro-dipping. En gros, voilà, ça va être une paire quand même assez simple. Je me suis dit, ok, je vais faire un visuel sur Photoshop pour m'imaginer un petit peu la paire. Je l'ai fait, ça m'a vraiment plu de ouf, j'ai trouvé ça hyper stylé. J'ai kiffé, je trouve ça incroyable, et donc, je vais vous montrer ça. Hop, voilà la paire, donc comme tu peux le voir, le dessous de la semelle et tout, c'est sale, parce que la paire est pas neuve. Mais en gros, voilà, moi, je sais pas ce que vous en pensez, c'est peut-être un peu spécial au niveau des couleurs et tout, mais moi, je trouve ça incroyable. Je suis absolument fan, j'aime trop les couleurs un peu violet et tout. C'est un motif un petit peu forêt, en fait, hein. Il y a des arbres, des branches, des feuilles et tout. Le fait que ce soit violet, rose, noir et tout, je trouve ça incroyable. Donc maintenant que je t'ai montré bah, la paire, le design que je m'étais imaginé, etc., sur Photoshop, que j'ai fait sur une chaussure pour être sûr que je kiffe vraiment, comme j'ai kiffé de ouf, je vais te réexpliquer un petit peu juste après là le matériel qu'il te faudra. Je vais vraiment t'expliquer ce qu'il te faut, où tu peux le trouver, je vais te mettre des liens dans la description, comme ça t'es sûr. Tu peux pas te tromper frérot, tu vas même pas chercher. C'est ça qui est bien aussi avec AT Custom, c'est qu'on est des mecs généreux, tu vois. Là on est en pleine période de fête. Voilà, bon la vanne est pas très drôle, donc je vais arrêter. Donc au niveau du matos, c'est super simple, il y a vraiment presque rien. Une paire de chaussures, logique. Donc voilà, ça c'est la paire que j'ai recouvert de scotch isolant, tu peux trouver ça n'importe où. Là-dedans, du coup, il y a le rouleau de film hydrographique, donc avec ce motif-là, hein. Très important, cette bombe d'activateur, en fait, c'est un spray, ça va permettre de l'activer pour que ensuite ça puisse bah, bien accrocher, du coup, à la matière. Je me suis servi d'un scalpel de psychopathe. En fait, quand j'ai scotché la paire, si tu veux, je l'ai entièrement recouvert de scotch, et après, du coup, j'ai découpé le contour des zones que je voulais découvrir, du coup, qu'on va hydro-dipper, finalement. Donc voilà, je fais ça avec un scalpel de malade mental, donc faites très attention, déjà, à pas vous blesser, et ensuite, à pas bousiller la paire, parce que ça coupe tellement fort que, du coup, tu peux, à tout moment, découper ta paire. Donc fais vraiment très attention, et fais aussi attention à tes mains, parce que tu peux aussi te couper les mains, voilà. Ensuite, un ciseau pour couper le scotch. Donc maintenant que je t'ai expliqué le matos, maintenant que je t'ai expliqué pourquoi ce custom et tout, comment j'ai choisi ça, tout ça, on va pouvoir le faire tout simplement sur la deuxième chaussure. Je vais t'expliquer, je vais te montrer, et tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, c'est très simple. À tout de suite. Donc là les gars, si tu veux, j'ai fait une installation, il n'y a pas plus street que ça, hein, finalement. Donc il y a le tuyau d'arrosage qui vient jusque dans ma chambre, voilà. Si ça te paraît dégueu, en fait c'est juste la table que j'utilise qui est dégueulasse en dessous, voilà, parce qu'elle a servi à énormément d'expérience de custom, vraiment. Voilà, je vais rester pendant 6 ans et demi appuyé du coup sur la gâchette du tuyau pour remplir le bac, parce qu'il faut que je le remplisse vraiment bien, en fait. Là, tu vois à peu près le niveau de l'eau, il y a ça. Il faut qu'il y ait au moins ça, tu vois, il faut que le bac soit carrément rempli. Donc voilà, je pense que le bac est suffisamment rempli. Bon, l'eau, en vrai, sur la vidéo, elle rend dégueulasse, on dirait, elle est un peu jaune, en fait, on dirait de la pisse, littéralement. Mais ne t'inquiète pas, hein, l'eau est parfaitement claire, il n'y a aucun souci, je pense que c'est la lumière, la table, etc., ça fait qu'on dirait que l'eau est dégueulasse. J'ai préparé quand même les gants qu'on avait utilisés pour le premier hydro-dipping, parce que j'ai pas envie de m'hydro-dipper les mains. Il faut quand même recouvrir la surface avec le film hydro-dipping, donc je vais découper... on va dire un rectangle qui fait à peu près les dimensions du bac d'eau, tu vois, pour que ça se pose parfaitement. Je pense que je poserai la caméra quand je vais poser le film, parce qu'on va pas se mentir, le faire à une main c'est très compliqué pour qu'il soit bien propre dessus. Ensuite,
ensuite, je vais pulvériser l'activateur et après, je plongerai la paire directement dedans. Je la plongerai comme ça, tu vois, le haut de la paire, en fait, vers le bas. Donc, je vais découper un rectangle de film hydrographique et je reviens tout de suite. Comme tu peux voir, j'ai préparé... Putain, c'est galère à filmer comme ça. J'ai préparé, en gros, le film. Comme tu peux voir, là, il y a une partie, en fait, qui a été découpée. C'était celle pour l'autre chaussure. Je vais tout simplement... Merde, j'ai mis un coup de pied dedans. Découper, en fait, droit, du coup, de là jusque... à l'autre bout, si j'y arrive, voilà. Pour que ça fasse un rectangle, en fait, j'ai calculé par des calculs savants, vu que j'ai fait énormément d'études, que ça prenne à peu près, bah, du coup, toute la surface, tu vois, de l'eau. Je vais poser la caméra pour le faire, parce qu'à une main, j'ai pas envie de tout flinguer. Bon, il me reste encore du film, hein, mais voilà, c'est mieux d'économiser un maximum. Au moins, il m'en restera si j'ai envie d'hydrodipper, je sais pas, mon daron, peut-être, voilà. Voilà, donc là, en gros, je vais essayer de découper droit. C'est un petit peu chiant en fait comme matière, on va pas se mentir, à découper parce que c'est très fin. Voilà, donc là le ciseau arrive, voilà, à découper proprement. Bon, après si c'est pas un rectangle parfait, c'est pas grave, en fait les bords sont pas hyper importants, tu vois, parce que la paire va être plongée ici. J'essaie de quand même pas découper mon tapis, ça serait regrettable. Voilà, on va jusqu'au bout, propre. Voilà. Comme tu peux le voir, j'ai du coup mon film qui va être posé à la surface de l'eau. Alors moi, je vais le poser... attends, si je te dis pas de bêtises... En fait, je vais le poser comme ça sur l'eau, tu vois. Là, je te fais une simulation fantastique avec des effets spéciaux de ouf. Voilà, moi, je vais le poser vraiment comme ça, dans ce sens-là. Ce qui fait que ce qui sera visible quand ce sera sur la paire, ce sera ce côté-là. Voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je te montre quand même le taux de virilité qui est proche de zéro, du coup, avec ces gants. Je vais aller déposer, du coup, le film hydrographique... ici, propre. Ça, je vais pas le filmer parce que en fait, je suis tout seul et c'est une galère, tu vois, parce que ça peut très vite faire des plis. C'est très compliqué en vrai de le poser, genre vraiment que ce soit tout lisse, tout propre. Donc, il me faut vraiment mettre deux mains, les gars, désolé. Juste après, j'ai préparé ici, donc on mettra un coup de spray activateur et ensuite, on viendra du coup plonger la paire à l'intérieur et ce sera terminé. Par contre, ça, du coup, je vais tout vous le filmer. Ne vous inquiétez pas, voilà. Donc là, comme tu peux voir, j'ai posé le film à l'intérieur. Je vais mettre un petit coup de spray activateur, du coup, juste là. Voilà, ça suffit, hein, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Bah, c'est parti, hein, en fait, suffit juste de le plonger. J'espère que tout va bien se passer, c'est parti. À l'intérieur, tu vois, je peux le secouer un petit peu, histoire que les parties que je veux pas garder, du coup, puissent se décrocher tranquillement. Là, je suis à une main, c'est un petit peu chiant, on va pas se mentir, voilà. La technique est quand même assez simple, mais mine de rien, ça nécessite un petit coup de technique, on va pas se mentir, un petit peu de skill, finalement. C'est pas pour me pépon. J'espère que c'est propre, hein, putain. En vrai, là, je vois pas, moi, hein, le custom, les gars. Et on va pouvoir le sortir tranquillement. Là, quand tu le vois comme ça, tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est que cette poubelle, en fait, hein, c'est pas très beau. C'est flingué, là, quand tu le vois comme ça, c'est dégueulasse. Mais tu vas voir que quand on va enlever le scotch, frérot, c'est là que la magie opère, hein, on va pas se mentir. Au talon, on voit un petit peu moins le film, hein, qui s'est pas parfaitement bien déposé, tu vois, c'est resté un peu blanc. Mais c'est pas grave, en fait, comme il y a du blanc, en fait, sur le reste du motif, je trouve que voilà, c'est pas non plus dégueulasse, en fait. C'est un petit défaut qui fait plaisir, parce qu'il faut le rappeler, mais ça reste du fait à la main. Donc forcément, c'est très compliqué de faire ça sans défaut. Et puis comme t'as vu, l'installation, c'est la street. Le fait que je filme en même temps, les gars, faut pas oublier que là, j'ai une caméra dans la main. C'est ça qui est un petit peu déstabilisant, en fait, quand tu fais ce genre de truc. C'est mieux d'avoir tes deux mains. Moi, voilà, j'ai fait un hydro-dipping avec une seule main, c'est fantastique. C'est pas pour dire que je suis un génie, mais un petit peu quand même, voilà. Donc, je vais poser ça, je vais attendre un peu que ça sèche, puis on va découvrir un petit peu le rendu final en enlevant tout le scotch. C'est parti. Ok, les gars, je suis sorti pour enlever, genre, tu sais, tout le scotch, etc. de la paire, parce que le scotch reste humide. Etc. Il y a la matière d'hydro-dipping par-dessus le scotch. Donc j'ai pas envie de dégueulasser ma chambre, hein, on va pas se mentir. Donc je suis sorti, en plus il y a un peu moins de vent, je sais pas si je te l'ai dit tout à l'heure, mais en gros j'ai dû tourner dans ma chambre parce qu'il y a beaucoup trop de vent et du coup ça aurait été déjà compliqué à faire le custom avec du vent. J'ai déjà enlevé, on va dire, le scotch de la partie supérieure de la paire. Il reste que le scotch sur la semelle et déjà là, le rendu, voilà, je kiffe. Bon, je l'avais déjà fait sur une autre chaussure, donc je savais à quoi m'attendre. Mais voilà, je vais te montrer déjà comment c'est maintenant et après j'enlève sur la semelle et je te montre le résultat terminé. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai enlevé donc tout ce scotch dégueulasse parce que là du coup c'est tout espèce de gluant tout pourri là. Donc tac, je vais l'enlever, ça colle, c'est chiant.
Donc voilà, là pour le moment il reste le scotch sur la semelle, donc pas de problème, t'inquiète pas, je vais l'enlever. En vrai déjà comme ça, ça a un petit flow. Je précise un truc, c'est tellement satisfaisant quand t'enlèves le scotch tout autour et genre tu vois les contours sont parfaits, c'est fantastique. Faites de l'hydro-dipping, faites du custom les gars, parce que quand vous voyez le résultat final, c'est toujours hyper satisfaisant. J'enlève le scotch de cette putain de semelle et je vous montre le résultat final. Et voilà, la paire est terminée. Il reste encore une fois les lacets et la semelle intérieure à mettre, parce que là, il y a certaines parties de la paire où tu as des gouttes d'eau, etc. dessus. Donc en gros, voilà, le custom en lui-même est terminé. Il faut que je laisse encore bien sécher, histoire que ce soit parfait. Parce que là, même l'hydro-dipping, en vrai, il est pas sec. Donc pour le moment, à tout moment, il se passe une dinguerie. Donc voilà, je vais mettre le bail à sécher, je vais remettre les lacets, etc. Donc voilà, on est sur une fin de vidéo finalement. Je suis rentré faire l'outro dans ma chambre parce qu'il fait moins 600 degrés dehors, c'est insupportable. En plus, il y a du vent et tout, donc on serait pas bien compris. T'as capté, je t'ai montré le résultat globalement terminé, mais t'inquiète pas, tout à la fin de la vidéo reste bien jusqu'à la fin. Il y aura des plans plutôt stylés de la paire. Dans tous les cas, photos sur Insta, etc. Vous inquiétez pas, foncez nous suivre. J'en profite que je suis là, je viens d'y penser. Comme vous êtes beaucoup à bien kiffer les petites marques indé, etc. Les petites marques streetwear, je vais remercier une jeune marque qui a fait son tout premier drop, frérot. Ils ont leur toute première collection et pour un tout premier drop, je trouve ça vraiment très très cool. Donc, je vais te montrer ça. Donc, là voilà, en gros, premier t-shirt, tu vois, la marque s'appelle. Bon, je sais pas le prononcer, c'est trop compliqué, mais voilà, bon, toi, ne touche pas, fais pas le con. Merci, parce que c'est très cool. Donc là, t-shirt avec une face avant, on dirait qu'on parle de voiture, assez basique, et le motif au dos, tu vois, on est sur un truc, je saurais pas trop comment te décrire ça, en fait, c'est un peu apocalyptique, égyptien, tu vois, c'est un peu particulier. Là, deuxième t-shirt, ça, c'est la face avant, avec marqué Worldwide, une carte du monde, etc. J'aime bien les couleurs, moi, tu vois, le noir, jaune et blanc, je trouve ça bien ensemble. Ma pièce préférée, c'est le hoodie. Donc là, on est sur un hoodie blanc. Je porte absolument jamais de hoodie blanc. Donc ça fait plaisir. Donc avec, du coup, la quemar sur le devant. Et ce que je trouve très, très cool aussi, sur le dos du hoodie, on a, du coup, plein de noms de la marque. Et un smiley qui est plutôt cool, jaune, toujours dans l'esprit de la marque. Donc voilà, merci à la marque Youngway 6. Si ça se dit comme ça, frérot, le nom de ta marque est beaucoup trop compliqué si tu vois cette vidéo, donc merci à toi de nous avoir envoyé ça, ça fait toujours plaisir. Foncez voir leur taf dans la description, je t'ai mis le lien du Insta et du site. Donc c'est la fin de la vidéo les gars, j'espère que vous aurez kiffé le custom, la vidéo en elle-même, même si c'était la street de ouf. Parce qu'on va pas se mentir, hein, je pense qu'il faut pas être un savant pour comprendre que faire un custom avec une seule main et l'autre main du coup qui tient une caméra pour te filmer, donc pour arriver à bien filmer et en plus à faire un custom... C'était chaud, hein, c'était très ghetto, l'installation et tout, c'était la street. Il n'y avait pas Tommy parce que bah, les fêtes, ça se passe en famille, etc. Donc il n'a pas pu être là, il n'y a que moi qui ai rien d'autre à faire que de faire des customs dans ma chambre. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé le custom, la vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de l'hydro-dipping, si vous avez des questions, etc. On est là pour y répondre, on est ensemble. Mettez des pouces bleus, hein, les pouces bleus, c'est la vie finalement. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce que c'est vraiment pas bien de ne pas vous abonner à notre chaîne. On se retrouve en 2020 du coup, parce que là on est entre Noël et le jour de l'an. Faites attention à vous au jour de l'an, prenez soin de vous. L'outro est beaucoup trop longue hein, finalement, mais voilà, l'année était ouf, l'année 2020 sera encore plus ouf. Voilà, je dis pas ça pour rien, on va pas se mentir. À l'année prochaine, bye bye.